C'est ça, non, moi c'est Junior Mengual ou sous Télécréole. C'est un plaisir pour nous entrer. Bon, je pense que nous comprenons et douleur, nous comprenons et un travail qui était réalisé avec grand maestro ça, Ernst Mélénas, qui fait tout le temps dans l'affaire musique. D'abord, monsieur vrai nonni, c'est Emmanuel Ernst Mélénas. Monsieur prend naissance Port de Paix et monsieur fait 24 décembre 1944 dans la cour Port de Paix et l'élevé avec mamani qui c'est Madeleine Noël Mélénas, papa lui qui c'est Anol Mélénas qui c'est un trompettiste tout côté papa monsieur t'es qu'on jouait musique. Il y a 4 frères et c'est Georges et Robert comme nous connaissons et monsieur ça est mort déjà. Et puis, il était gagné en Claude, plus lui-même, et les gonceurs, parmi toutes, bon côté mamani, et qui c'est Bleurette, et qui c'est un guitariste tout. Et monsieur gagné 2 frères, bon côté et papa, qui c'est Lucien et Eddie Pierre-Philippe. Eh bien, monsieur Sayo, tu es grandi Port de Paix, entré dans la Coupe au Prince. Et monsieur était initié dans la musique là, comme dit nous, c'est une monde qui joue en pile instrument. Et facile, il a toujours dit, le monde ça joue instrument comme ça, c'est multi-instrumentiste que lié. Le premier instrument, c'était accordéon. Il était joué, ensuite il vient jouer guitare. Et monsieur est entré dans le lycée Firmin, c'est le premier côté, il était attaché, mais. Timidement, monsieur Tab jouait musique, mais là, il arrivait dans le lycée Alexandre Pétion. Il était joint avec un grand musicien qui était fait, monsieur sorti un saxophoniste. C'est Camille Bichotte, un saxophoniste fantaisiste. C'est monsieur qui était eh bien, initié Ernst Mélénas dans le sax. Mais rappelez-nous que papa, monsieur, ça a joué trompette. Il y a une trompette tout, mais c'est plus sax que Ernst Devine attaché. Monsieur qui était ni orgue, ni guitare, ni accordéon, ni tambour, il vient attaché avec saxophone. Eh bien, c'est comme ça, et toute famille Mélénas est venue entrer dans la musique très jeune. Côté Ernst, il a adapté à 17 ans. Et monsieur est venu faire un petit groupe qui était relé Fontana. C'était en 1966, le Fontana était sorti. Et il était venu rebaptiser sous nom ça les ambassadeurs qui était prend naissance 23 juillet 1967. En pile passage, en pile et travail qui fait non seulement avec les ambassadeurs, en pile et grande génération qui formait, génération d'Hermine Diaz, côté que groupe ça, eh bien, il était prouvé capacité, il était élagile naturellement. Et juste avant de nous rentrer avec l'invité nous pour nous parler un petit peu de Ernst Mélénas, nous allons prendre un petit break. Cadeau en jazz, Linda.
sonando. Robert! Pa que llegan los más populares de Haití? Es decir, los reyes del ritmo. Es decir, les ambassadeurs. Nosotros se llama mundo muy grande y reina la alegría. Moi songe Pascal, en pile, songe Pascal Albert. Moi songe Hans Félix. En Haïti, en Nueva York. Si se trata de un bolero, un mambo, un compás, toda la gente puede decir, oui. Yo me doreo. El mejor está escuchando, yo me doreo. El mejor es les ambassadeurs.
N'a pas fonti baisser pour moi. N'a pas fonti baisser pour moi. N'a pas fonti baisser pour moi. Ambassadeur, yo fait un pile dans le monde musical là. Yo marié moun, yo divorcé moun, yo fait moun goumé. Monsieur Sayo, le yo tap fait musique, nous t'es capable de dire peut-être appui à musical là t'es dans mien, dans mien yo. Parce que yo t'es réellement gagné une capacité extraordinaire pour être sorti. Et Ernst Mélénas, comme nous connaissons déjà, et monsieur était marié. Et avec Madame Raymond Nelson, Monsieur était gagné deux petites filles ensemble avec lui, c'est Patricia et Soukirina. Avant mariage, il a gagné Ronnie Dorville, Mélénas, et Woody, et Marilyn et Wolf, c'est petit monsieur. Ernst était apprendre à jouer musique, comme nous connaissons, c'était papa monsieur qui était commencé avec eux avec trompette, parce que papa c'était un grand trompettiste. C'est le premier instrument que j'étais dégagé. Et ensuite, il venait jouer à accordéon, et puis guitare, basse, saxophone, les sax, orgue et trompette. Et premier sorti ambassadeur, Ernst fait groupe là, non, c'était un petit. Moment de folie de quartier, musicien sous quartier, élève l'école, tout ça qui était. Le sa, ambassadeur pour qu'on gagne sax, c'est Ernst qui t'a jeté à côté et puis jouette là t'es venu virer côté monsieur vient grandi, il a venu relayer une formation Fontana. Monsieur t'es pris première note musicale li, et grâce à papa yo qui était un trompettiste extraordinaire. Puis, il était dans le lycée Firmé et monsieur était dans l'école, lycée Alexandre Pétion, côté il était apprendre jouer sax. Il était comme professeur, Camé Bichotte, qui était montré le note dans le saxophone. Ensuite, monsieur était gagné Michel Desgouottes, côté monsieur était qu'on allait apprendre le solfège. On me juste un temps pour Ernst, qui était déjà un don. La qualité qu'on lit musique et puis il vient jouer à Michel Desgouottes, un autre gros musicien, eh bien, bah, qui ça nous perdu là, comme dit Dominique avec Nenè, nous perdu un gros musicien. Et c'est comme ça, monsieur Tevin, qu'on lit musique, monsieur Tevin a joué, comme nous l'avons déjà, accordéon en formation, hein, côté Ernst, vin attaché avec sax, puis devant, nous te joué Duverga qui te vin remplacer, monsieur. Et pour un petit bout de temps, côté Ernst Vin prend saxi, et puis, soit dans DEA, le Fontana Vin arrivé en 1966. Monsieur Tevin leader formation ça, et ensemble avec Frère Lee, qui c'est Henri Robert Mélénas. Faut aller plus loin. Après étude, monsieur Sayo, monsieur Pachita, ça qui était allé dans la médecine, ça qui était allé dans le droit, ça qui était allé dans la faculté et génie, son paquet de bon cerveau, monsieur Louis. Et il a abandonné carrière ça pour la musique. Par exemple, et Henri Robert Mélénas, qui était un avocat, c'est frère Ernst, qui quittait carrière ça. Ernst, qui a fait 2-3 années dans la partie médecine, qui quittait pour la musique. Et il faut dire que monsieur Sayo, ça arrivait. Même nous, Jean-Baptiste, et coiffeur de. Je quitte coiffeur, il prend musique. Oui, merci, c'est ta LD. Il quitte, écoute, là, il prend musique. Alors, ça arrive souvent. Et monsieur était collaboré avec un accordéoniste qui était guitariste tout, qui c'est Arsène Duhaussel dans le quartier. Côté que, il était gagné des jeunes musiciens comme pour être capable de former Fontana, eh bien, Arsène Duhaussel devine quitter la joine Robert Sico. Eh bien, Ernst devine reformer le groupe la 23 juillet 67. Non, ça, les ambassadeurs avec musicien Sayo, que l'été ensemble avec frère Claude Mélénas, Hans Félix comme premier guitare. Et puis après, nous devine joindre en remplacement de Ernst et de Hans Félix. Devine Georges José qui était là comme une fun cap, comme grand chanteur, c'est le premier chanteur qui passait. Et Jean-Robert, lui, et Martial et Tessid, et puis Gessner Rimmel, Ernst, lui, comme premier musicien qui était là.
Ernst Menelas était une capacité comme leader. Non seulement saxophoniste et leader, en 1969, il était changé Bagalayo. Il est venu gagner une deuxième formation qui était faite comme musicien de calibre extraordinaire. En tant que Pascal Albert, qui sortit au Cap comme guitariste, qui entrait de côté Ezune Foun Cap, qui était déjà annoncé départ pour les États-Unis. Pascal entrait avec une autre tendance, une autre caractère musical. Nous allons aller plus loin toujours. Nous avons Mac Ivolsi, l'autre grand chanteur et vedette groupe là, qui vient entrer à côté de Pascal. Mais il faut souvent pile mon abdi que Franck Etienne était un des qui était écrit pour les ambassadeurs. Non, Franck Etienne pas jamais écrit parce que Mac Ivolsi c'est frère. Je ne suis pas jamais écrit pour ambassadeur. C'est Henri Robert Mélenas, Ernst Mélenas, et puis Saint-Martin, c'est monsieur Sacté qu'on écrit musique. Et puis grand frère qui c'est Georges Mélenas, et monsieur Sacté qu'on écrit musique. Il écrit musique là, il y a monsieur, parfois, nous jouons tout, Yves, Mac Ivolsi qui t'ont écrit. Deuxième génération, nous jouons André Bellegarde qui tape du Org, et puis Georges Durand qui était là, mais qui n'a pas traité qu'à jouer la rue de Léogane. Et puis, groupe là, Tevin, il y a quelques bons gens, compositions formidables qui font ou même songer les ambassadeurs Rex Théâtre, un peu côté le déconduit. Non, mais c'est Junior Mengual. Pas oublier sous télé créole. Monsieur, là, nous prenons un artiste comme Ernst Mélenas, qui fait un pile bagarre dans la musique là, et qui allait dans la condition ça. Je pense qu'il y a réfléchi. Nous pas besoin de peur. C'est musique, c'est nous et tout, parce que c'est juste les musiciens. Oui, nous-mêmes, nous pas besoin de peur. Bon Dieu, a préservé nous pour nous, parce que nous avons un titre du jour. Mais là, pour un titre, a préservé nous pour nous, parce que nous avons un titre du jour. Mais là, pour un petit pause, nous avons tourné pour que casser ça, M. Negola, pour M. parler de eux-mêmes. Restez branchés. Thank you.
Toujours devant chez moi, ma paix, sa voix.